Alors c'est le moment évidemment où j'en profite pour me détendre un petit peu. Donc voilà. Voilà donc le nouveau message, un Illusion Arctic avec son set dégueulasse qui n'a pas aidé, qui n'a pas aimé nos accusations. Du moment où alors veut-il être volontairement le deuxième ami du stream? Nous verrons ça, nous lui répondrons incessamment sous peu. Quant à Minsou, lui, il veut qu'on aille au KFC pour l'instant. Voilà où on en est. Soit. Donc là, je viens de jouer T-Hawk. Ouah, c'est Ouyo. Il jouait le Dalsim le plus norace de l'univers. Et semble-t-il qu'il est maintenant chez Neo Arcadia. On salue Neo Arcadia, évidemment. La salle d'arcade du charisme à Toulouse. Et là, je dois jouer Dan. Merde. Ah, ça joue Blanca, c'est encore pire que tout. Donc Dan, hein, 3 toons, 3 shops, ça va être chaud, hein, surtout Blanquette. Oh là là, meilleure Blanquette de l'univers en plus. Regardez-moi ces points qui nous explosent à la figure. 25ème Blanca de Street sur PC. Ah, un petit bug peut-être. Non, c'est bon. Oula, ça lag. Neo Arcadia, Toulouse, ça le fait pas. Ah oui, oh le lag de ouf. Peut-être un moyen de gagner avec ce lag. Peut-être va-t-il rage quit. Et à ce moment-là, je vais gagner des points. Ah non, il va en perdre juste. Mais qu'est-ce que c'est que ce lag de ouf? Ah ça y est, ça s'est stabilisé. Il me respecte rien, j'ai même pas... J'ai mis mes tentes, hein, c'est déjà ça. Bon, faut mettre les shops maintenant. Est-ce que cette frame trap a marché? Quoi? Une shop. Nous avons appris que le balade kick évitait son coup aérien. Non mais alors lui, il va me mettre tellement la misère de la vie. Chop. Oh qu'ils aiment en faisant la tente. Vous avez vu, ça marche. Quoi, il a réussi à me sacrifier, salaud. Chop. Ah mais non, ça peut déchoper ça, c'est dégueulasse. Attention, mind game. Ah bah non, pas de mind game. Chop. La belle fin de combat. Évidemment, cet ultra qui tape 2 fois sur le sol. Ah. Mais j'ai quand même terminé avec la tente aérienne. Et ça, ça se respecte. Non, mais Neocardia, Arcadia, évidemment, les mecs, ils font que ça de leur vie, quoi. Vous comprenez bien. Bon, alors, il renvoie un message Illusion Arctic, à mon avis, Streamac. Je plaisante, je suis sur le stream. T'as même pas bourré d'ultra, je suis un peu déception. Ah, eh oui. Bon, ça va, on perd pas trop de temps. Ah oui. Merci, évidemment. Non, c'est pas 3-7, c'est 4-7, nom de Dieu, salaud. C'est de m'enlever mon point, durement gagné. C'est pas possible, faudra un moment ou un funkadélique pour équilibrer tout ça. Ita! Ah, on joue au là. Mais non, Frata, voyons. Funka en train de jouer à Dota 2. Oh là là, mais Funka de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un nouveau! Oh là là, alors lui... Alors lui, c'est un vrai. Voilà, il va tous prendre nature. On va faire garde. Quoi? Mais pourquoi ça balance pas les ultras? Ah bah oui, parce que j'ai pas l'ultra, bravo le veau. Voilà, il se la prend nature, hein. Il avait juste à faire quelque chose, pas rester à côté, il se la prend nature. Voilà. Voilà. Allez, je le bats au bas MP. Je le bats au bas MP. Allez, petit challenge spécial, je le bats au bas MP. Enfin, au MP. Medium punch. Juste ce bouton. Oh, ça a bien bourré. Oh oui! La taunt. Le 3-6 quand même. Et attention, vous êtes prêts? Ce mind game de cours d'école. Non mais il me fait de la peine. Il me fait de la peine, j'ai même pas envie de l'insulter. Retourne chez eLive ou Showprime.com. Ah ah, bisous MV Fionfion, désolé pour la connexion de qualité. Ah, des bisous à Ouyo, qui a un Dalsim démoniaque, hein. Alors... Enfin, un Dalsim démoniaque que j'ai tartifion des fois, déjà. Je crois que je lui ai mis un perfect, me semble-t-il, hein, lors d'un tournoi... comment ça s'appelait? Fightplay. Alors... mais un Dalsim de qualité. Alors, Ita... Oh, avec l'icône de fable. Oui. T'as des bonnes bases. J'aime bien ton dragon. Non. En fait, tu fais de la merde. Retourne jouer à League of Legends, évidemment. Rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme faux site? Qu'est-ce qu'il y a comme site immonde? Ah oui, mais je peux pas montrer un site immonde, parce que si je link un site immonde sur ma vidéo VOD, ça va être horrible. Ah oui, c'est quoi le Facebook de Narcus? Si t'as... Ah oui, c'est quoi son Facebook à Narcus? Donnez-moi son Facebook. Si t'as les couilles de m'insulter... Petite raclure... viens le faire... sur http://facebook.com. Istreamac. Quoi? C'est quoi Narcus? Oh merde. Oh, et sur Narcus, hein, on trouve bien, il y a 2D. Oh, c'est même plus. Oh, pff, Narcus, quoi. Voilà. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Merci. Alors. Pokémon X et Y, mais les Pokémon, j'ai jamais connu les Pokémon. Les Pokémon, je m'en tartine l'arrêt et le fion. Alors, ah, est-ce que j'ai la 9? Ah, j'ai pas encore la 9. Il y a la 5 qui est bien, je crois. Oui, je suis à 5. Ah, oh, mais non, encore un Cody dégueulasse! Ah, BlazBlue, j'ai un BlazBlue sur PS3, mais personne joue à BlazBlue. 0, c'est quoi? 0 PP, 0 BP, c'est un mec qui a reset son compte. Dégueulasse, ça. Oh là là, attention. Oh là là. Ça connaît des coups spéciaux, mais ça combatte pas, je crois. Y'a moyen. Chop. Bah, medium punch shop, hein, brouillard. Mais putain, c'est quoi ce lag de ouf? Ça stream hack, ça stream lag. Quoi? Mais c'est vraiment le perso le plus fini à la piste de l'univers, Dan. C'est quand même ouf. Son ultra qui met 8 ans à sortir. Sauve it shop. Ah non mais il s'est joué en fait. Le mec il a reset sa carte quoi. Genre j'ai vraiment pas de race quoi. Alors regardez. Je fais ça et shop. C'est parti pour le vortex. Vous êtes prêts? Shop. Cette non-punition. Respecte-moi. Shop. Taunt. Elle est bien celle-là aussi où monte son cul. Tartine ton fion, tortille ton fion. Voilà, respecte-moi. Shop. Oh, le mec, il a... Ah, il a encore plus vendu sa mère que moi. Il s'est relevé en ultra. Et il s'est relevé en ultra. Très bien. Je le note. Oh, t'as de la chance. Shop. Attention, vous êtes prêts? Shop. Ah. Respecte-moi. Shop. Ah, il déchappe, attention. Shop. Shop. Taunt. Voilà. Oh non, je voulais canceller la taunt par le dragon. Voilà, respecte-moi. Cette punition qui n'existe pas. Et redragon, saut vide. Shop. Shop. Tatsu. Shop. Attention, vous êtes prêts? Je sais pas s'il est prêt, moi je suis prêt. Gratte, gratte-le. Ah bah même pas, tiens. Pouf, l'ultra susu. C'est trop simple. Mais il sait pas déchopper aussi. C'est chiant ces gens qui déchoppent pas. Ah oui, c'est message coquin avec Dan. Enfin, on part des 69 BP. Ah oui, d'accord, choper en ligne, d'accord. Alors attendez, déjà je mets ma victoire. Un message d'amour. Message... Non, non, c'est joueur. Ah, Ita, Go 1, V1, mythe sur LOL, je prends direct de con, je suis nouveau, taré, puis donner... Conseil en plus... Mais oui. Ah, il est... un Indien qui se fait sodomiser en Amérique. Il est... il streamac. Alors, joueur. Est-ce que j'ai déjà affronté Kayane? Non, j'ai déjà vu Kayane plusieurs fois. Je ne l'ai pas affronté. Dokuro, fan. Ah, c'est lui. Envoyez un message. Oui, qu'est-ce que... J'avais une idée. Ah oui, j'aime bien... J'aime bien Cody. Il me rappelle mes histoires d'amour en prison. Si tu veux, tu peux me faire le cucu sur Skype en cam. Mon Skype, c'est... Ah ouais, mais non, j'ai pas balancé un vrai Skype. J'aurais bien mis le Skype de ZeratoR, mais vous avez tous ajouté ZeratoR sur Skype. Alors, c'est pas grave, on va faire, c'est Jean... JeanFionmiel.44. Voilà, c'est un Nantais. Hein, c'est un Nantais. C'est vrai que j'aurais bien donné le Skype de Narcus, hein, pour le coup, mais bon. C'est pas grave. Cody, c'est pas le bon Bertrand quand t'as eu un platine. Pitié. Non mais j'ai des amis à Nantes, en plus j'aime beaucoup Nantes. Je trouve que c'est une ville de qualité. Débile Ryu. Eh hey, c'est la première fois qu'on affronte un débile Ryu, je crois. Ah oui, il y a Fougerlite. Ah oui, non, pas de poing, pas de pied, je veux dire. Mais voilà, c'est ça que je bourre. Quand même, je suis pas un dragon, je bourre à l'infini. Petit tank, hein. Bah alors, ton petit fion. Qu'est-ce qu'il fait les dragons dans le vent? Le respect, hein, évidemment, le respect, on bourre, on voit ce qui se... Oh là là. Oh, il craque. Il craque. Il craque. Non mais le truc c'est que ce perso fait extrêmement mal et a de l'énergie. Mais normalement si vous connaissez les match-up avec énormément de persos, c'est impossible de gagner. Parce que certes il fait mal mais tout est esquivable avec un saut, avec un reversal, enfin bref. Il y a moyen de s'amuser. Ah ça c'est des phases hein. Mais putain j'ai fait 720. Tu sais ce que c'est un 720? Normalement ça rentrait là. Je suis vénère. Je suis vénère. Je suis vénère. Pour la peine. Attention mind game des années 2. Mind game des années 2. Mind game des années 2. Hop. Oh. Oh il a pas pris le mind game des années 2. Oui. Mais le 3-6 pourquoi il est gros poids alors que je bourre le stick? Voilà. Ah, évidemment. Et regardez bien. Eh bien, oui. Oui, 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 7 partout. Ah. Bien, 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 bien. Alors. Tchakabam. Envoyez un message. Putain, les messages chales, faut être inspiré à chaque fois. Faut que ça vienne quand même. Alors. Débile Ryu. Alors. Ah oui, il a bourré. Ah oui, alors, vu que je n'ai fait que le bourré, mais qu'il a bourré Nultra en retour, on va jouer le mind game. Du coup, ça va l'énerver fortement s'il ne le streamac pas. Évidemment. Ton débile Ryu pue un peu le sexe. Si tout ce que tu sais faire... Attention, là, c'est très sale. Hein. Si tout ce que tu sais faire, c'est panique-bourre. Panique-bourre. Hein. C'est panique-bourré. On va commencer à mal écrire. C'est... ça ne veut rien dire. Je commence à mal écrire au milieu du message. C'est panique-bourré. Ton Ultra 2 dans... à la relevée... Eh bien, joue. Eh bien, on va mettre le eh bien. Eh bien, voilà. Eh bien. Eh bien, joue Ken. Voilà, joue Ken. Raclure de Bidaman. On va l'appeler raclure de Bidaman. Voilà, on met toutes les chances de notre côté pour qu'il, évidemment, devienne notre ami. Alors. Quoi qu'il en soit, je remarque que nous sommes revenus à égalité. Alors on peut changer de perso, vous avez vu beaucoup de fois le même perso. Tchakabam, on l'a déjà affronté lui. Vous voulez qu'on change de perso? Qu'est-ce que je peux vous faire? Allez, on va se faire plaisir. Vous voulez quoi? Random ou un vrai perso? Vous voulez Blanca, vous voulez le Blanca. On va prendre le Blanca interdit en tournoi. Random pour les hommes, random. Ok, random. Une Camille dégueulasse. Oh, j'espère que je l'ai en Monsieur Tomate. J'espère que je l'ai en Monsieur Tomate. Oui! Regardez bien comment on joue Monsieur Tomate. Petite taunt, on avance, petit dragon, petit dragon, petit dragon. Attention, vous êtes prêts? Je vais vous montrer le coup le plus dégueulasse de l'univers, hein, il est connu, c'est évidemment la Griffex. Pourquoi? Comment on fait la Griffex? Ah mais non, c'est pas comme ça la Griffex, bon c'est pas grave, on va retourner aux bases, voilà, on va retourner aux bases. Ah ok, c'est comme ça la Griffex. Ah, vous avez vu, hein, pourtant je me suis bien reculé à 3 mètres et quand même le premier réflexe a été de bourrer le dragon à la relevée. Alors la Griffex c'est ça. Ah oui mais il faut qu'on soit prêt pour qu'elle passe derrière. Hein. Tout le monde se la prend, c'est le coup de la garantie. Respecte-moi. Voilà. Quoi genre? Ah. Calme-toi, respecte-moi. Voilà, respecte-moi. Petite taunt, la garde. Ah mais non! Voilà, respecte-moi. Oui, mais oui, on peut évidemment punir une ultra si le dragon est parti vite. Et c'est l'avantage du dragon d'Oni, hein, il ne peut pas être annulé, cancellé, mais il part vite. Attention Griffex. Ah, et attention, dès qu'elle la chope. Ah là là, mais là là là, c'est terrible parce que mon Oni, voilà, c'est Monsieur Tomate. C'est comme ça que vous devez jouer Monsieur Tomate. Souvenez-vous-en. Du dragon, de la Griffex, du dragon, de la chope, de la taunt. On l'a déjà affronté, Tchakabam, je sais même plus. En tout cas, cette Camille était hautement gratuite. Hein. Ouais, un message. J'espère que grâce à moi, tu as compris comment on faisait un dragon. Ah, ta Camille. Ah oui, faisons des rimes. Faisons un dragon. Tu as compris, dragon. Car si cher il a pris ton petit fion. Voilà. Vous remarquerez. Bon, rime pauvre, un fion, dragon. Bon, c'est pas grave. Mais compris prix. Bon, ça, c'est réglo. Alors, voyons voir si j'ai envoyé un message. Raclure. Raclure, t'as de la chance que mon PC lag. Toutefois, j'ai réussi à mastiquer 3 fois pendant le match. GG bisous, j'aime bien ton QQ aussi, mais t'as vendu ton skill à Intermarché. Alors, ou bien il stream hack, ou bien c'est un joli rage message de retour, mais qui ne veut rien dire au final, vu que... il s'est fait racler le fion. Alors, au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles doivent être dites, il s'est fait racler. C'est un stream hack, hein. Alors... Allez, on va se détendre, on va faire un peu de random. Malan TP. Ça me dit quelque chose, Malan TP. Ça joue pas du Makoto dégueulasse ou je ne sais quoi. Oh, j'ai envie de jouer Rose. Et j'ai envie de me faire... Ah mais non, ça joue Dan. Ah merde, ça joue un perso du charisme. Et du coup, je joue un vrai perso. J'avais envie de jouer un vrai perso une fois dans la session. Oh mais non, mais le pauvre. Bon, je ne dois le battre qu'en chope. Qu'en chope. Enfin, non, je peux mettre des normaux, mais pas de coups spéciaux. De la chope. Petite taunt. Ah mais non, j'ai pas eu le temps de cancel par la garde. Alors ça c'est juste pour le swag, regardez bien. J'ai essayé de mettre la chope entre les deux boules, mais j'ai pas le timing, hein, vraisemblablement. Voilà, voilà. Vu que j'ai pris un perso, je connaissais un peu. Un peu de défi, évidemment. Allez, c'est parti. Vortex de chop. Je recule, j'avance, chop. What? T'as pas le droit de faire ça. Laisse-toi, voilà, laisse-toi choper. Ah oui, attention, c'est pierre, feuille, ciseaux, mind game. Ah, il veut plus. Salaud, il est bon. Salaud! Attention, vous vous apprêtez à vivre l'arnaque de l'univers. Ah non! Ah merde! C'est moi qui voulais l'arnaquer. Je voulais lui prendre au timer. Au timeout sur 1 de vie. Bon allez. On va vous montrer quand même. On va essayer de jouer Rose, hein. Définitivement. Mais attends, j'hallucine. Putain, j'ai même plus les combos normaux. C'est l'angoisse. Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je m'imagine qu'elle a sauté. Eh mais je vais me faire tarsifion. Ah il a sauté. Ah, c'était tendu. Voilà, c'était tendu quand même. Mais oui, on a fait un peu n'importe quoi. Bon, on sait pas. Elle dit pas bif? Mais non, elle dit pas bif, là. Ah, le Dan a failli, hein, j'avoue. J'avoue, le Dan a failli, on respecte. Mais j'ai déjà affronté. J'ai même pas envie de lui envoyer un message. En plus, il a joué le jeu. Ma bite. Évidemment. Ah, mais c'est là la dernière phase de pub. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la fin? On a déjà fait le tour de ce qu'on devait faire aujourd'hui. Je pense qu'on va jouer du blanquette. On va voir. Pub. Le stream crashera 3 fois. Musique.